بروميييرمون نحب نسقسيوك على الجديد تاعك، اسكو كاين جديد راك توجد فيه هنا في الجزائر؟ اسكو كاين حاجه قريبه ولا مازال ما كاين لي دات؟ بون اون سمومون راني نوجد في البوم بليزيور تيتر، انا عاد نخدمو، مي ان شاء الله كورون 2024 ديبي 2024 اون فا كومونسا انفويي دي تيتر ان شاء الله. ان شاء الله. ديرنييرمون شفناك في حفله من الحفلات تاع اون مارك اللي كنت لاقيت بها مع بزاف فنانين بيناتهم فنانين تاع الزنقاوي، دونك اسكو نقدروا نشوفوا اناس في ان ديو مع ان دي شونتور دو زنقاوي؟ Ben, Inch'Allah, pourquoi pas. Je connais Mohamed Lano, Djalil Palermo, je les connais. C'est des personnes que j'apprécie. Mais c'est mlah bzaf. Et Rana Hadro, Inch'Allah, Ndero Haja, avec plaisir, avec grand plaisir. À côté Hadro, ça chkoul, nazem tkoulna. Ah, on ne peut pas dire les secrets de la musique. On ne peut pas dévoiler. Dans le Project Runway, cette émission internationale qui est venue au Dzaïr. Premièrement, Anas, qu'est-ce que tu penses de ces émissions les plus grandes qui sont venues au Dzaïr? Est-ce que tu vois quelque chose de mieux beaucoup plus les jeunes Algériens qui aiment voir les mawahib? Pour parler de l'émission, quand on m'a proposé l'émission, j'ai regardé un peu les équipes. J'ai vu que c'était No Filter. No Filter qui gère la production, etc. Et gros big up à No Filter, ils travaillent très très bien. Franchement, tout était carré, le voyage, la prise en charge, et même ici, tout se passe très bien. Donc, alhamdoulilah. Et pour les jeunes, ça dépend du style des jeunes. S'ils aiment bien la mode, s'ils aiment bien la cuisine, je peux pas. Ça dépend, c'est chacun son style, mais ouais. Si tu veux. Excusez-moi, mais c'est bien pour eux, pour montrer leur talent et tout ça. Pour montrer les talents, ouais, exactement. C'est super bien, ça se développe, et ça fait plaisir. Très bien. Comment vous avez trouvé l'ambiance ici au tournage? Ambiance algérienne, c'est la meilleure ambiance du monde, ça m'arrête de goût.